Hello everyone, hope you and your family have a great day. I'm Rebecca, and this is the channel of Global People Daily News. January 1st is Global Family Day, so this month's topic is about family around the world. Since the airplane was invented in 1903, the whole world becomes a global village. Everything and everyone are connected. Therefore, peace between countries and people is more important than ever. If everyone keeps their conscience in mind, the world will become a better place. As the old saying goes, having somewhere to go is home, having someone to love is family, and having both is a blessing. Today we have several guests who would like to share with us about their families and stories. First is Huang's family, who come from the Ataya tribe. Let's have a look. Mani Sumian Ma Astawara。哎，我很好奇哦，为什么我们的衣服都会是红色的、啊？哦，这个红色是我们太阳珠啊，代表的是很欢乐、开心、而且还有一个向上、向上的向上，对，身体。而且啊，传说中啊，那个我们族人啊，那个恶鬼看到红色的，他非常害怕，所以不用害怕说我们穿这个，他等于可以保护我们。又可以避邪，穿的衣服可以避邪。我每天都要穿哦。要穿好。带去上班。上班我要穿，出去买菜我要穿。是哦，上厕所要穿好。你们太浮夸了，我睡觉也要穿。再来，我们的服装呢，除了红色以外呢，还有两大图腾。第一个就是我们的横条，对，有，对，横条有，然后再来呢就是菱形，有，对对对，一定都会有，因为我们都是太雅族的服装。那横条是代表什么呢？第一个就是代表我们族人往生以后呢，就要经过彩虹桥。为什么要经过彩虹桥呢？就是呢要接受审判。什么审判呢？你这一生到底做了什么好事，到底做了什么坏事，在你往生之后呢，都要接受这个审判的。再来第二个呢，就是我们的菱形。那菱形呢，就代表我们祖灵的眼睛，它就是每天呢，就是要告诫我们族人啊，就是我刚刚讲的，不要做坏事，要多做好事，不要浪费资源啊，要爱护生命啊，尊重生命啊，爱护你周遭的亲友啊，等等这些的。对啊，对哈、哦，对。所以感觉我最近没有人爱护你。可以不要经过那个桥吗？不行。哦，好了，要多做好事哦。没错。那我就想起来以前我小时候啊，讲到尊重生命嘛。小时候呢，因为我的祖父啊去打猎，然后因为我小朋友啊，所以没有玩具啊，所以猎物我就把玩了一下。结果我的祖父哦、啊，印象深刻啊，他就告诫我，生命因为我们而死啊，所以我们要更珍惜它，要尊重它。所以一直到现在长大了，那个画面还是很清楚。也就是说，我们太雅族的文化就是其实很尊重保护森林嘛。然后再来就是说，有一个特别优秀的，打到就算了，我们还会分享给族人吃嘛。你看你的薪水赚到就算了，你还分给邻居，这不可能的，不可能嘛。对，一定会分享。嗯，对。然后啊，还有一点呢、啊，我们太雅族啊。就是以前在打猎的时候，一定就是打够用就好，够吃就好，对对对，不会打太多，对不对？不知道是不是以前没有冰箱的关系啦。冰箱的话，可能冰箱的情况就不一样。没有啦，以前打到够用就好了。多了也会烂掉呢。对，现在的观念呢，其实有冰箱，咱们也是够用就好了。没错没错，真的很棒的，不要浪费，够用就好了。对，要不然其实我们地球资源就像没有了。对呀、啊。太可惜了。那我问大家，不然我们刚才分享我们泰雅族的文化，那一月一号的话是什么日子？大年啊。元旦。不是。我知道。完蛋。不是。一月一号呢？蛋蛋。不是。不是什么蛋的？几个字？五个字。好，没关系，我知道你猜不到。一月一号呢，就是我们的世界家庭日，对吧？对对对对，世界正确答案。
对，那世界家庭日的话呢，它主要在说，因为我们世界上有很多个家庭嘛，那有家庭就会有不同的文化，就像我们有泰雅文化啊，就是汉人有汉人的文化，那国外一定有国外的文化，对，那我们都必须去了解它，尊重它这样子，然后我们才可以互相合作，达到真正的世界和平。对，就像是和平一定要从内心开始，自己先和平哈，不要欺负自己。我们四个也是。互相赞美了哟，对，互相爱护，对，不要再找欺负我了。不要欺负我，身体比较弱，弱小嘛，没有吧？然后再等于说，台湾是一个家庭哈，要互相和平嘛。对，地球又是一个家，对，没错。就你看，人类就是很奇怪的动物，大家都两只脚打来打去，对啊，意思哦。对，你看在今天这么欢乐的日子下呢，我们要做什么呢？我们要送给大家一首歌，叫什么歌呢？就是我们泰雅族的欢乐歌，耶！For the happy and joyful Hong family sharing with us about the Ataya culture, their protection of the forest, their hospitality in sharing things with others, and most importantly, their respect for other people's cultures are all good characteristics for us to learn, to cooperate, and reach true world peace. Next, we have Xinghe sharing his amazing story about how he met his family on a trip to Peru, and also his family sent a warm message to all of us. Please enjoy. Hello, I'm Xinghe. When it comes to the meaning of family, most people will consider that the people had the same blood forming the unit that had been named family. I will really agree with the concept. However,My encounter with the Peruvian family has shocked me, and it leads me to think about the different possibility for shaping the family. All the story goes back to 2016, when I was traveling to Machu Picchu in Peru. However, I had lost an opportunity to climb the mountain, Machu Picchu. Thus, I thought that I should learn more about the famous monument. When I found the guide, she told me that I could find somebody.To share the fee with. Perhaps it was the fact that brought me into connect with a special family. We had fun and enjoyed our time together, but inevitably we had to say goodbye, and we left each other a message and kept in touch. I thought it was just a casual encounter, but I didn't expect them to really say to me, as they did at Machu Picchu.Come to our house when you have the chance. So I accept their invitation. When I went back to the capital, I was really moved to see him driving a bus to take me to his home. I had a great time at their house, and I also tasted the special cuisine. But happy time always have a parting. At the time of parting,They say to me that you have a home in Peru, and if you have a friend coming, tell us that we will definitely treat him. I thought it was just a chance for friends to get together, but I didn't expect to receive phone calls from them from time to time to care about me, and it really feels like what they said.
Iron Layer Family in Taiwan. Señores, buenos días. Les saludo a todo el mundo, especialmente en Taiwán. Yo soy el señor Ángel González Sosa, peruano. Y mi esposa se llama Iliberta Ramos Aujapuki. Y nosotros hemos viajado con mis hijos a Machu Picchu, que es siete maravillas del mundo. ¿Es ahí donde conoce a la persona Sinjo? Sí, de ahí lo sí conoció con mi hijo y me presentó. El momento que me presentó me admiré del joven, que era bien sencillo, si bien bueno, bien amable. En eso lo también acompañamos todo el paseo en el Machu Picchu. Y también hablaba español. Entonces en eso nos hemos separado ya en aguas calientes. Él sí ha ido a Arequipa y yo me retorné a Lima. Y así, pero hemos tenido comunicación en el sentido que nos ha dado su número. Y en eso estábamos comunicando. Él nos comunica que él estaba llegando a Lima. Entonces con uno de mis hijos fuimos a recoger al terminar de terreno. Y ahí yo lo traje a mi casa, ahí lo hemos hospedado, lo hemos atendido todo, y mi señora, a toda la familia. En ese momento yo iba a trabajar y con mi señora, con mis hijos, iban también paseo acá a Lima, que también comidas típicas. Comió y quedó asombrado. Y así que en eso, pues, no, yo me siento tan contento que el hombre era muy bueno. Y yo también que soy bueno y siento como un hijo más que está en Taiwán. Y eso se ha sido gusto en conocerle. Y acá mi esposa ella también tiene una palabra para que él le explique. Señores, muy buenas tardes. Yo soy del Perú. Saludo a todo el mundo, especialmente en Taiwán, que está Sinjo. Yo agradezco a Dios haber venido, habernos escogido con amistad Sinjo. Acá hemos hecho comer comidas típicas, especialmente ceviche, uyi, especialmente suspiros de limeña, esas cositas. Hemos hecho, poco tiempo se quedó, hemos llevado sitios, nos falta bastante conocer el Perú, así que estamos esperando que regrese para llevar a Ayacucho, otros departamentos. Te deseamos lo mejor, Sinjo, ojalá tus amistades, tu familia, tus compañeros que viajen, gustosamente vamos a recibir y vamos a llevar donde quieran ellos. Un abrazote, Sinjo. Durante su estadía, Sinjo, en el Perú, especialmente en su casa, ¿qué lugares de aquí, de Lima, le hicieron conocer? Al centro de Lima y a Barranco, después a Chorrillos, pues, muy poco tiempo. Si él nuevamente desearía volver aquí a Perú, ¿qué otro lugar específicamente del departamento estarían gustosos para que conozca? ¿Sería Ayacucho, el lugar donde ustedes nacieron? Especialmente sería bueno. Lo que él desea, donde conocer, nosotros tenemos llanos para llevar, para hacer conocer. Acá en nuestro Perú es una maravilla. Y tenemos porque costa, sierra, selva. Y él solamente conoció costa y sierra, pero falta todavía selva. Es una cosa tan especial y le esperamos. Gracias. Y así que le estimo mucho, te quiero mucho y siempre estaremos comunicando.
Gracias. What a stunning fate. Although Xinghe and his family in Peru do not have any blood relationship, they still care for each other and love each other. I'm very touched by Xinghe's story because we can see humanity's beauty, which is what these words need today. On February 24, 2022, a war between Ukraine and Russia began. According to the United Nations, there are over 7 million record Ukrainian refugees in Europe. Now we have Pascal and Salome from Switzerland to talk about their motivation for sharing their home with a Ukrainian refugee. Alors, Pascal Solane, nous sommes une famille qui vivons en Suisse, dans la région francophone, hein, et puis je suis ingénieur de formation et je travaille toujours encore dans le domaine de l'ingénierie en Suisse, dans la micro-optique. Je m'appelle Salomé, je suis la femme de Pascal. Je travaille comme enseignante spécialisée. Pour moi, la famille, c'est un endroit où on se sent en sécurité, où on se sent soutenu. C'est aussi le fait de vivre ensemble, d'habiter ensemble, de partager le quotidien et de partager les choses difficiles et les choses belles. Et d'accompagner les enfants dans leur croissance et dans leurs apprentissages pour les aider à devenir adultes. Dans le cas de pouvoir aussi partager avec les enfants de ce que c'est que de pouvoir vivre la sécurité, de pouvoir vivre le partage avec les autres, au moment où on a eu l'éclatement de la guerre en Ukraine et du coup le flux de migrants, hein, on a discuté entre nous au niveau de la famille, hein, pour voir comment est-ce que nous aussi on pouvait avoir notre contribution à pouvoir aider ces gens qui fuyaient le conflit. Hein. Et on a beaucoup discuté avec les enfants pour savoir est-ce qu'on allait vouloir accueillir quelqu'un. Ça nous sortait effectivement de notre zone de confort, mais en même temps, c'est prendre conscience de quelle est la chance que nous on a de pouvoir vivre en paix. Hein. Et du coup, aussi permettre aux enfants de prendre conscience que d'autres peuvent vivre des situations plus difficiles et du coup leur rendre à quelque part un peu de chaleur, de bonheur en accueillant des réfugiés. Et effectivement, on a pour finir communément accepter l'idée d'accueillir une personne d'Ukraine. Ça coûtait aussi un tout petit peu puisque notre fils Mathis a cédé sa chambre pour pouvoir accueillir cette personne. Du coup, maintenant, il partage une chambre avec sa sœur, ce qui lui permet aussi de pouvoir apprendre aussi à partager les choses à deux et pas vivre chacun avec du luxe ou beaucoup d'espace pour eux-mêmes. Et puis on a maintenant depuis 8 mois accueilli cette personne d'Ukraine qui fait partie aussi de la famille. Alors après, évidemment, la barrière linguistique reste toujours un peu difficile pour pouvoir avoir des échanges et des partages forts. Hein. Mais en attendant, on a du plaisir à voir cette personne qui peut, d'une façon ou d'une autre, quand même trouver une certaine plénitude ici en Suisse. Et dans l'accueil qu'on a pu lui donner. Pour nous, c'est une très très belle expérience, très enrichissante. C'était important que tout le monde soit d'accord dans la famille
parce que si on veut donner la paix plus loin, on doit aussi être dans la famille déjà, vivre la paix. Donc on a pris cette décision ensemble et aujourd'hui on est très content de l'avoir fait parce que ça nous apprend beaucoup d'avoir Victoria à la maison parce qu'elle est très différente de nous. Ça nous apprend sur nous-mêmes, sur les autres, sur la différence et c'est quelque chose de magnifique à offrir aux enfants et à la famille, d'ouvrir son monde aussi aux autres, aux gens qui sont différents. Et je peux que vous encourager à aller vers les autres, à les comprendre, même ceux qui sont différents. Et c'est vraiment un très très bel enrichissement. It's quite touching to see what the Zualem family has done. I also admire that they respected the thought of the kid and made the decision together. They have big hearts and are willing to give Victoria a hand to help her pass through a hard time. As the old saying goes, it is more blessed to give than to receive. If everyone could be the love of the angel and help each other, the world would become a better place. Next, we have a grandma from Switzerland. She has been through ups and downs in her life. However, she never gives up. Let's listen to her story. Je m'appelle Danielle. Je vis en Suisse et je vais vous parler de ma famille. Ma famille a toujours vécu en Suisse, sauf mon père, en Argentine. Et ensuite, tout le reste de la famille est resté en Suisse. Mes parents habitaient Genève, comme moi aussi. J'ai deux sœurs, deux grandes sœurs. Une sœur qui a 6 ans de plus que moi et puis une autre à peu près 2 ans de plus aussi. Ensuite, en grandissant après mes études, je suis arrivée à Neuchâtel parce que mon mari, de l'époque, travaillait à Neuchâtel. Il était médecin et il avait sa pratique ici à Neuchâtel. J'étais très contente parce que ma sœur aînée est aussi venue à Neuchâtel. Et pour moi, c'est une grande chance que nous soyons les deux ici, dans la même petite ville, alors qu'on venait les deux de Genève. Et puis j'ai pu l'apprécier tout au long de notre longue vie, entre guillemets, avec nos enfants petits qui ont grandi. J'ai eu avec mon mari, mon premier mari, 4 enfants, 4 garçons. Vite, je me suis rendu compte que si au niveau des enfants ça allait bien, au niveau du mari ça n'allait plus. Et j'ai divorcé, un long divorce qui a été difficile, mais qui m'a permis de me reconstruire, qui m'a permis de voir la vie autrement. Et suite à ça, il a fallu que je travaille. Donc, j'ai repris l'enseignement. J'étais enseignante, j'ai repris l'enseignement chez les enfants de 12-13 ans. Et ça, ça m'a fait énormément de bien. Donc, l'enseignement, les enfants m'ont beaucoup appris et m'ont équilibré, si vous voulez. Et de fil en aiguille aussi, j'ai retrouvé un Claude, mon deuxième mari, avec qui je vis toujours et avec qui je suis très bien, qui a adopté mes enfants et qui ont permis qu'ils grandissent à Neuchâtel, dans un autre endroit. Au début, j'étais aussi très inquiète. Je me disais, mais comment ils vont aller, ces enfants? Et puis maintenant, je me dis, ils vont bien. Tous, les 4. Chacun est marié avec des enfants, donc ça veut dire que je suis 9 fois grand-maman. Et c'est un grand bonheur pour moi. C'est des enfants qui vont bien et des petits-enfants qui vont bien aussi. Qui me remettent dans une période de petit que j'ai finalement vécu trop rapidement avec mes enfants. Et ces petits-enfants sont adorables. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'on a tous et toutes
Je suis sûre, tous les parents ont des périodes difficiles. Il n'y a pas besoin d'un divorce. Il y a des périodes comme ça qui sont difficiles et tout est récupérable. Alors, ça ne veut pas dire que ça va rester plat. Il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des problèmes avec l'un ou l'autre des enfants. Mais de fil en aiguille, je suis sûre que toutes ces difficultés font que nous, on grandit. C'est-à-dire, les parents grandissent. Et grâce, justement, aux difficultés, que ce soit du couple ou que ce soit des enfants. Donc, pour moi, rien n'est désespéré. Même si on se dit, mais ça n'ira plus, on ne va plus pouvoir continuer. Il y aura des changements, mais c'est des changements choisis où il faut faire un pas qui est parfois difficile. Donc ça, je peux dire comme encouragement à chaque situation qui paraît problématique. Et qu'il y a toujours des aides aussi. Je sais qu'il y a des aides. Alors ça peut être des psychothérapies, ça peut être aussi du yoga, ça peut être de la méditation, ça peut être des tas de choses qui font que ça apporte quelque chose qui nous renforce par rapport aux situations qui peuvent être difficiles aussi. Donc regarder, choisir, essayer, ça ne veut pas dire que tout marche tout de suite, mais ne pas rester les bras ballants en disant. Through Daniela's story, we could learn that life is full of peaks and valleys. Nonetheless, we could change our minds and be thankful for the difficulties. Well goes an old saying, what doesn't kill you makes you stronger. Just be hopeful and never give up. Everything will be fine in the end. Today we have friends from different countries sharing their family stories. Although they might not come from the same place or speak the same language, they have one thing in common, a big heart to help themselves and others. Once we love each other as we love ourselves, then there's no difference. All of us live in a global village and we are one world. Hope you enjoyed today's topic. If you like this video, please give a thumbs up and leave a comment down below. And don't forget to subscribe to this channel. It's been amazing hanging out with you all today. I'm Rebecca, and this is the channel of Global People Daily News. See you next time. Bye.